Alors, pour parler des conséquences économiques, il est très intéressant de se pencher sur le dossier officiel Vinci, le modèle financier d'Ageo. J'en recommande la lecture aux gens qui ont des insomnies, c'est assez radical. Mais par contre, il y a des informations intéressantes. Il y a des gens qui prétendent qu'il y aura plus d'emplois avec Notre-Dame-des-Landes. Si on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Vous avez sur la partie gauche un graphique, on voit la courbe des passagers. Et sur le, en dessous, en rouge, vous voyez les frais de personnel. Et il est prévu, si vous regardez le tableau chiffré à droite, hein, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps pour le lire, un tiers de moins d'emplois par million de passagers. Hein, 510 emplois par million de passagers en 2011, ça c'est une note authentique, 340 en 2030 dans le modèle de Vinci. Et si on regarde plus, sur l'ensemble de la période tout en bas, les frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires représentent 19% aujourd'hui, c'est la période de Nantes Atlantique, 2011-2017, 2018-2065, 11%. C'est assez anachronique de dire que Notre-Dame-des-Landes est très grand, mais il y a moins de monde qui sont employés. Je suis gestionnaire. C'est dû à quoi? Quand j'investis, c'est pour faire de la productivité. Donc, qu'est-ce qui fait que Notre-Dame-des-Landes... Très automatisé, il y aura beaucoup moins de monde. Il y a plein d'endroits où on peut faire de la productivité dans un aéroport. Mais il ne faut pas prétendre, moi je trouve ça très bien qu'on fasse la productivité, hein. Je vous dis, c'est mon job tous les jours dans mon entreprise. Mais par contre, il ne faut pas dire qu'il y aura plus d'emplois avec Notre-Dame-des-Landes, ça c'est une erreur. Un autre point qu'on voit dans ce document, qui est intéressant, enfin là, excusez-moi, ce n'est pas dans ce document-là, c'est dans celui qui est en haut à droite, qui est un dossier très intéressant fait par les services de l'aviation civile. Ça permet de comparer la croissance sur 2008-2013 des nombres de passagers. Hein, c'est ce qu'il y a sur l'axe ici, avec les taxes aéroportuaires par passager. Et on s'aperçoit que Nantes, d'une part, se caractérise par une forte croissance, et d'autre part, par des taxes d'aéroport extrêmement compétitives. Maintenant, si on regarde le fameux dossier que je vous ai montré tout à l'heure, le dossier de Vinci avec la Royal Bank of Scotland, ben on s'aperçoit que les taxes aéroportuaires, il est prévu qu'elles montent assez vigoureusement. Pourquoi? Bah parce qu'il faut bien financer ce foutu aéroport. Quand on demande de 300 millions, vous avez déjà signé des crédits, on s'engage à rembourser. Et donc l'argent, il faut trouver quelque part. Alors, ils vont trouver dans les parkings, on en parlera tout à l'heure, mais ils trouvent beaucoup dans les taxes aéroportuaires. Ce qui fait que ben, si on extrapole les nouvelles taxes aéroportuaires de Nantes, on va se retrouver là, c'est-à-dire dans la zone à très faible croissance. Alors concrètement, ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, comment ça se passe? Quand vous avez des low cost, c'est la première slide que je vous ai montrée tout à l'heure, beaucoup de low cost, non? Quand vous avez des low cost, quand elles arrivent, elles ont 60% de rabais sur les taxes. La deuxième année, elles ont plus que 50. La troisième année, elles ont 30. Si elles gagnent encore de l'argent avec 30, elles restent. Sinon, elles se barrent. Ben là, avec les taxes d'aéroports qu'on va leur filer dans les dents, elles auront tendance à partir. Alors, je reviens sur les emplois. Donc je vous ai dit, ça sera une merveille en termes d'automatisation. Là, on a mis en graphique, en haut, ça c'est Notre-Dame-des-Landes, et en bas, c'est Nantes-Atlantique. Les petites bosses, ça correspond à voilà, la grosse bosse, parce que le chantier, bon, c'est pas 3000 emplois, là aussi on dit n'importe quoi, c'est 700 emplois pendant 4 ans. Et puis, il y a une petite bosse là, parce qu'on fait une nouvelle tranche d'extension, là aussi. Et puis, pareil pour Nantes-Atlantique, là on fait le gros resurfaçage, etc. Puis là, les deux périodes de chantier en vert, c'est pas tout à fait par hasard, c'est des emplois agricoles qui évidemment disparaissent au fur et à mesure des travaux. Je trempe les vieilles femmes. Quand on fait le chantier à NDDL, évidemment les emplois agricoles, ils disparaissent. Les deux graphiques sont basés sur des prévisions de trafic identiques. Évidemment, s'il y a moins de trafic à Notre-Dame-des-Landes, il y aura encore moins d'emplois. Hein. Mais déjà comme ça, vous voyez, on est à plus de 2700 ici, là on est juste au-dessus de 2000. C'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. On fait un bel outil moderne, ultra productif, mais forcément, si c'est productif, il y a moins d'emplois. Alors, un autre argument que vous allez entendre très souvent, point de vue économique, Notre-Dame-des-Landes va favoriser la densification urbaine de Nantes. Je vais aller vite. Selon la DGAC, en 20 ou 30 ans, 15 à 16 000 personnes pourraient être accueillies sur les espaces rendus constructibles ou densifiables par le départ de l'aéroport. Or, Nantes Métropole communique là-dessus, construit chaque année de quoi loger 17 000 habitants. Et son PLU prévoit un rythme de presque aussi soutenu. Donc, l'impact éventuel du départ d'aéroport représente 5% des besoins d'agglomération sur 2% des surfaces densifiables. En réalité, il n'y a aucune pénurie de foncier.
citiez dans l'agglomération, même autour de Bouguenay, vous citiez Françoise Verchère, maire de Bouguenay, elle a mis des surfaces à disposition de tout le monde, d'Airbus, des sous-traitants d'Airbus, etc. C'est pas ce que dit ça, c'est la personne qui lui a succédé. L'analyse coût-bénéfice, la perte vraisemblable du projet, 400 millions d'euros si on corrige un certain nombre d'erreurs dans les calculs. Merci beaucoup. Et notre avenir à ce niveau-là est en combien de temps et comment? Bon, écoutez, sur les emplois, c'est un élément extrêmement important. On entend aussi beaucoup de contre-vérités. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la zone aéroportuaire, c'est 2000 emplois qui vont être transférés avec l'aéroport. Les gens qui travaillent dans les compagnies aériennes, les gens qui assurent la sécurité, tous ces gens-là vont être transférés. Il y a 90% des entreprises de la zone du D2A, donc c'est la zone aéroportuaire, qui ne sont pas en lien direct avec l'aéroport, qui resteront sur place. 561 millions d'euros dans l'économie régionale, je l'ai dit. 3000 emplois, donc c'est bien 3000 emplois qui vont avoir de l'activité sur le chantier. Alors c'est pas 3000 emplois effectivement à temps plein. Les gens qui font le terrassement, c'est pas eux qui vont faire les bâtiments et la charpente, ni le parquet ou les sols, mais c'est 3000 personnes qui vont avoir du boulot pendant 4 ans. Et en ce moment, on en a bien besoin. Donc ça me semble un élément extrêmement important. Souvent, on nous dit, les emplois, c'est des emplois low cost ou c'est des gens qui viennent de loin. Écoutez, moi je regarde ce qui se passe à côté sur la LGV Bretagne-Pays de la Loire, où c'est le concurrent de Vinci, c'est Eiffage qui a eu le contrat de concession. Et bien 80% des emplois, ce sont des entreprises locales qui ont eu les marchés. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais enfin il n'empêche que pour les entreprises locales, c'est un élément important que d'avoir ce type d'activité. Et puis surtout, c'est un enjeu extrêmement important pour Airbus et ses sous-traitants. Aujourd'hui, Airbus est en train de relocaliser l'ensemble de ses sous-traitants à proximité de ses usines. C'est vrai avec Daher, c'est vrai avec Spirit, c'est vrai avec Celia qui a fusionné récemment. Et donc Airbus a besoin de foncier autour de l'aéroport. Aujourd'hui, ils sont très contraints avec l'aéroport. Et donc, il y a absolument besoin de transférer l'aéroport pour justement permettre à l'IRT Jules Verne, au Technocampus et à tout le pôle industriel d'Airbus de se développer. On attend 5000 personnes et 1000 chercheurs à terme sur ce site. Donc c'est évidemment avec le transfert de l'aéroport. Une question sur Airbus, excusez-moi, mais Airbus veut-il garder les frais d'entretien de la piste, de la tour, de tout? Ce qui se passe, c'est... Qui paiera pour ça, je veux dire, si Airbus... Mais c'est comme à Saint-Nazaire, le cas existe aujourd'hui à Saint-Nazaire. Airbus paye l'usage de la piste, il atterrit, il décolle à Saint-Nazaire, il paye l'usage de la piste. Tant qu'Airbus a besoin de la piste, effectivement, dans le cadre de sa logistique, c'est dans le cadre du contrat de concession, il y aura une négociation, mais Airbus paiera un droit d'usage de la piste également. Oui, j'ai bien entendu, excusez-moi, je sauve votre chrono, hein. Mais qui paiera l'entretien de la piste? Ça fait partie du contrat de concession. D'accord. C'est la négociation du contrat de concession. Très bien. Que personne ne peut dire aujourd'hui quel sera le résultat de la négociation entre l'État et le concessionnaire. Parfait. Alors, on a évoqué également les emplois de l'école. Alors, je voudrais en dire un mot, parce qu'on entend beaucoup de contre-vérités là-dessus. Au total, sur la zone aéroportuaire, il y avait 260 occupants. Il y en a 94% qui ont vendu à l'amiable leurs biens. Parmi ces 260, il y avait 40 agriculteurs. Il y en a 32 qui ont été relocalisés à proximité dans le cadre d'un protocole d'accord avec la Chambre d'agriculture. Donc il n'y a pas eu de perte d'emploi agricole. Parmi les 40, il y en a 4 qui ont arrêté leur activité pour des départs en retraite, où également il y a eu un décès, je crois, et il y a 4 agriculteurs qui s'opposent aujourd'hui au projet. Mais il n'y a pas eu de perte d'emploi agricole sur ce dossier, puisque tous ceux qui voulaient se relocaliser ont été relocalisés à moins de 5 km de la zone. Il y a même des jeunes agriculteurs qui sont arrivés à proximité de la zone. Enfin, je rappelle qu'il y a 3700 hectares de friches aujourd'hui agricoles qui ne trouvent pas d'agriculteurs dans l'agglomération nantaise. Donc il y a ceux qui veulent trouver des terres, ils en trouvent. Et le Conseil général a prévu, vous le voyez sur la carte en bas, un plan d'espace agricole naturel de 17 000 hectares entre la zone aéroportuaire et le nord de l'agglomération pour justement éviter l'urbanisation et préserver ces surfaces à usage agricole. Donc c'est faux de dire qu'il y a une perte d'emploi agricole dans ce dossier. Tous ceux qui voulaient être localisés l'ont été. Enfin, un élément important, cet aéroport, il va permettre d'accompagner la croissance du territoire. On a 1,5 million d'habitants qui vont arriver en Bretagne-Pays de la Loire d'ici 2040. La Loire-Atlantique accueille chaque année 15 000 habitants supplémentaires. Il va bien falloir les loger, ces gens-là vont avoir besoin de se déplacer.
Et un élément important, c'est que les entreprises ont de plus en plus besoin de faire des allers-retours dans la journée. Quand vous allez à Lyon, quand vous allez à Madrid, vous souhaitez partir le matin et rentrer le soir. C'est clair qu'avec Nantes Atlantique, ces perspectives sont plutôt restreintes. Aujourd'hui, il y a plus de 50 destinations qui sont proposées à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon ou à Nice, qui ne le sont pas encore à Nantes, dont des villes très accessibles comme Oslo, comme Vienne, comme Toulon, par exemple en France. Donc il y a un potentiel de croissance très important de destination, et donc il ne faut pas s'en priver. Enfin, je rappelle, c'est un des éléments que remettaient également en cause les opposants lors du débat public, mais le trafic aérien double tous les 15 ans et doublera encore dans les 15 prochaines années. Qu'est-ce qui fait qu'un aéroport attire des low cost, des compagnies low cost? Le marché, essentiellement c'est le marché, la capacité les low cost et la capacité de l'aéroport à lui fournir des conditions d'accueil acceptables. Un low cost, il souhaite atterrir et repartir en moins d'une demi-heure. Donc c'est évident qu'avec deux pistes, avec une fluidité plus importante, on sera beaucoup plus en mesure de le faire à Notre-Dame-des-Landes qu'actuellement à Nantes Atlantique. Merci beaucoup, monsieur Bouchery.